Merci à tous les membres qui soutiennent ma chaîne et qui font partie de la super team Palmeyer. Un bisou. Moi, c'est Nanesh Kanodal, et bienvenue dans la team Palmeyer. Oh, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour refaire une vidéo sur Gurani chapitre 3. Et on va essayer de faire le jeu en mode difficile avec les deux grands-parents et Slenderinua. Ça va être vraiment difficile, je vais galérer comme jamais. Mais vous allez voir qu'après, je vais refaire une partie juste avec Gurani et Slenderinua. Et là-bas, le pouvoir du Palmeyer, du Girl Power va m'aider. Ouais. Je vais réussir. Avant de commencer à jouer, abonnez-vous, à cliquer sur le bouton rouge et sur la cloche pour ne rater aucune vidéo et recevoir toutes les notifs. Maintenant, on va s'installer dans l'espace gaming pour faire Gurani chapitre 3 en mode difficile. Suivez-moi, c'est parti. Wouhou, ça y est, je suis assise. Et le rosso aussi, il est juste là. On fait équipe tous les deux contre les deux grands-parents dans Gurani chapitre 3. Alors, j'y joue sur PC, la jolie version, clavier souris. Tu laisses plein de jolis pouces bleus. Clique sur le like si tu veux m'encourager et si tu aimes que je joue à Gurani. C'est parti. Ah, oh, ça y est, regardez, on est dans le chapitre 3, ouais, c'est écrit ici, de Gura. Ah, tu arrêtes, on dirait dessus, toi, vilain, pas beau. En plus, il y a Slenderinua et tout, bon pelet. Oh, il y a pas le mode Nightmare, oui, oui. Bon, on va essayer en mode difficile, avec les deux, et avec Slenderinua. D'abord, on commence comme ceci, si vraiment j'arrive pas... On enlèvera un des deux grands-parents. Voilà! Allez, on y va. Je mets pas l'interro parce qu'on l'a déjà vu. Et c'est parti. Oh, voilà! On y va, c'est par utile au hasard. La cinématique, on l'a déjà vue. Donc, je la passe. Ah bah, il y en a pas. Pourquoi? Ah oui! J'ai pas coché! J'ai pas besoin de la passer, boui-boui. Bon, allez, hop. Journée numéro 1. On se lève. C'est parti. On prend ça. Et on déverrouille ici. Déjà, ça c'est fait. Allez hop, on y va. Est-ce que vous croyez que je peux casser la vitre en bas pour récupérer le pied de biche? Avec un objet. Mais de toute façon, j'ai pas d'objet. Bah ouais. Donc la question se pose pas. Donc là, il me faut ça, ça. Je vais essayer d'aller là-bas directement. Oh. Ok. Donc j'ai fait du bruit, oui. Ah. Il me faut ça. Non. Mais je suis coincé. Bah oui, mais... Bon, attendez. Je vais me cacher là. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Il y aura Gurani? Il va y avoir Gurani? Je suis coincé. Comment je fais? Non, mais ça commence bien. Je peux m'en aller, là? Je peux m'en aller. Ok. Non. Laisse-moi. Oh! Ah! Mais ouais, mais j'étais coincé, moi je pensais que je pouvais passer, mais non, il me faut la gros barre. Oh, mais j'avais jamais vu les planches ici. C'est parce que c'est le mode difficile. Ah bah oui, bah voilà, bah ça commence bien. Bon, je sais pas encore si je vais m'en aller par la porte d'enterrée ou le métro, mais dans tous les cas, déjà, il faudrait que je puisse arriver à sortir de cette cave. Donc, bah écoutez, on y va, on essaye. Alors, est-ce que là-dedans, il y a un objet? Non. Est-ce que là, il y a un objet? Oh! Quelle vilaine! Allez, on y va. Est-ce que là, il y a quelque chose? Non. On y va. Là, il y a rien. Là, il y a rien. Je sors. Voilà. Je suis dehors. J'espère que personne va venir. Oh! La clé du train est là. D'accord. Je vais en profiter, je vais prendre les petits cailloux. Comme ça, si jamais j'ai la weapon key, eh bien, j'aurai déjà des cailloux pour tirer sur les grands perruants. Parce qu'ils sont vraiment méchants, hein, faut le dire. Donc voilà. Oh, les munitions, super. Par contre, j'ai qu'un seul caillou, là. Oui, mais non. Il m'en faudrait d'autres. Cailloux. Oh, ah oh, mais cette Slenderinua, c'est vraiment une coquinette. Bon, il n'y a pas de cailloux. C'est vraiment... Bon, est-ce que je peux partir par là? Oh, waouh! Bien sûr! Alors, là, il n'y a rien. Super! Là, rien. Oh, ça commence bien. Rien. Et là-bas... Oh! Une noix de coquet bébé! Super!
Allez hop, casse-moi ça. Oh, une pièce. Bah, je vais essayer. Ah non. Ok, je vais fermer la porte au nez à la vilaine. Oh, arrête, ce laine de Rinea. Ah, au secours, il m'a tiré dessus. Va-t'en, Larry. Oh là 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 là. C'est vraiment la course-poursuite entre les deux. Oh, un caillou. Allez, viens. Viens dans ma poche. Voilà. Bon. Eh, au moins, je leur ai échappé. Pour l'instant, hein. À mon avis, ça va pas durer. Mais bon. Allez, hop. Oh, ah bah non. J'allais dire... Oh. Ah. Ah. Quel gros vilain. Il est trop vilain. Mais c'est pas possible. Bon. Je vais essayer d'aller prendre la pièce et d'aller faire le ticket. Ou alors, j'essaie de trouver la clé de l'arbre. Mais vraiment, ça peut être par eux, toi. Donc, non, je vais essayer la pièce. Allez. Comme ça, au moins, ça fera plus de bruit en bas. Allez, hop. On y va. Parola. Voilà, bon, attendez, non. C'est trop risqué. Oh. Oh là là. Oh là là. Va-t'en. Va-t'en. Oui, oui. Salut. J'espère qu'il était pas en haut, le coquinou. Oh. Il va où? Il va là. C'est très très bien, ça. Bravo. Bravo. Là, il y a quoi? Vite. Il y a rien. Je vais aller voir en haut. Vite, 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 vite. Voilà, 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 voilà. Je suis là, je suis bien. Là, il y a quoi? Oh. Super. La clé de la petite maisonnée. Allez. On va aller faire ça. On va ouvrir la petite maisonnée. Parce qu'à mon avis, il y aura un objet à récupérer. Alors, là, il y a l'oiseau. Là, il y a la bûche. Alors, attendez. Je vais faire tomber. Ah non, parce que la bûche, c'est en haut. Donc, non, je vais la laisser là, la bûche. Ok, ok. Ça, c'est fait. Ok, je... Quoi? Qui m'a vu? Ah, c'est elle! C'est la vilaine! Laisse-moi. Oh, elle est juste derrière moi, la vilaine. Ok. Ok, j'ai ouvert. M'en fiche. Je fais tomber la queue. Oh! Mais elle me suit, hein! C'est pas possible! Je vais essayer de prendre la pièce. Enfin, non, je m'en fiche pour l'instant de la pièce. Je vais aller voir dans le shed. Vite. Ah! Eh? Elle m'a laissé ou pas? Bon, je vais aller voir dans le shed. Vite, 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 Nadi. Hop. Voilà. Là. Y'a quoi? Oh? Oh? Bon, je vais mettre la planche en haut. Hop. Je vais mettre la planche en haut. Et puis j'ai aussi les allumettes. Ça, c'est bien. Oui, mais non. Comment je fais, moi, maintenant? Attendez. Je vais faire du bruit ici. Voilà. Comme ça, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Elle va venir ici. Moi, je vais passer par la cuisine. Voilà. Ici. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas le grand-papa. Oh, la pièce. Mais, elle m'a vu ou pas? Là, elle m'a vu. Allez, hop. Moi, je ferme. Je fais le tour. C'est pas grave, c'est pas grave. Il vaut mieux être plus prudente. Allez, je vais en haut. Bon, grand-papy va être en haut, bien sûr. Comme par hasard. Ah! Non! Ah! Ah! Je suis pris en sandwich. Ah! Ils sont méchants. Ils sont trop vilains. J'allais mettre la planche. Non. Ah bah oui, il me reste que deux vies. Ah bah à mon avis, c'est fichu. Alors là, je peux pas dire mais c'est fichu. Je pense que je vais pas y arriver. Non. Allez hop, on y va. Je vais quand même essayer jusqu'au bout. Mais c'est vraiment compliqué là avec les deux. Surtout grand-papy là qui me tire dessus. Il est fou lui. Ok. En haut. Oh. Il est énorme. C'est pas possible. Oh, il me rend folle. Bah, de toute façon, on va refaire en mode difficile. Je vais l'enlever, grand-papa. Ah, il va dégager. Il m'a énervé. Voilà, il jouera plus et puis c'est tout. Bon.
Non mais où je rêve. Allez. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Encore. Ah. Mais quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Mais non. Mais pourquoi tant de méchanceté? Qu'est-ce que je fais, moi? Vous croyez que je peux aller en bas? Non, je peux pas. Je le laisse partir. Je le laisse partir. Ah! Mais je croyais qu'il allait venir! Mais quel coquin! Je pensais qu'il allait sortir. Bon, bah voilà. Allez, hop. On y va. Moi, je laisse ça là. Tant pis. Ça va faire du bruit pour Gurani, mais bon, j'ai pas le choix. En haut, en haut. Ah ah ah. Bon bah, j'ai tenu 10 minutes en mode difficile avec les deux Eslendrina. C'est énervant. C'est énervant. Moi, je boude. Quoi? Ils vont m'écraser avec le terrain. Mais ils sont fous, hein. Eh oh. Non. 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 Oh, j'ai terminé en purée de Nadège. Oh, la petite purée de palmier. Bon, on recommence. Moi, je n'arrête pas sur une défaite. Non. Pelé, je vais jouer avec Gurani, c'est tout. Voilà. Grand-papa, tu dégages. On veut rester entre filles. Selendrina, Guranui et moi. Bon, moi, je suis la vraie seule fille parce que, bon, Gurani, voilà, et Selendrina, c'est un fantôme, alors, hein. Oui, oui. On va être un peu plus tranquille. Même si c'est en mode difficile, je crois que ça va être plus facile quand même sans lui, hein, parce que bon, de loin, il me tire dessus, il me prend sandwich, bah non, moi je dis non. Donc on y va. Voilà. Donc je sais, il faut pas que j'aille en bas direct, puisque de toute façon, c'est faire humer en bas. Oh, le T2EI. Alors attendez, je peux pas faire le T2EI maintenant, parce que Gurani, elle va s'énerver. Puis de toute façon, je peux pas aller en haut, j'ai pas remis l'électricité. Donc, oh! Chaque chose en son temps. On ouvre. On y va. Alors, elle est pas là. Là. Y'a rien. Ouah! Non! Non, pas déjà. Non! Y'a rien. Je vais en haut, je vais m'en aller par là. Allez. Non! Vite, cache-toi. R. Ah! J'ai pas eu le temps. Mais c'est à cause du... Xavier! J'arrive pas! Je savais pas que c'était IR, je croyais que c'était IF! Ça m'énerve! J'aurais pu me cacher sous le lit! Mais dis donc, dis-moi où c'est vraiment très difficile! On n'a pas demandé très difficile, on a demandé difficile! C'est tout! Il y a une différence quand même! Oh! Bon! Et bien sûr, faut tout refaire avec le crochet. Comme si on avait que ça à faire. Non mais vraiment. Oh. Ah bah ça non, c'est... Oh, Sandrina, on t'a pas sonné. Bon, je sais pas où elle est, Gurani. Elle est en haut, elle est en bas. Elle est où? Elle est là. Ah bah oui, ah bah voilà. Bah je m'en vais. Voilà, t'as tout gagné. Je boude, je prends le caillou. Et je m'en vais. Je sais pas où elle est. Elle m'a vu ou pas? Je veux pas le savoir. Je peux rentrer ou pas par là? Oh. Oh. Oui. C'est bon. Là. Non, je joue pas à hide and seek. Je joue à sauver ma peau. Oh, ouais, Monkey. Gurani, tu vas souffrir. Je te le dis tout de suite. Tu vas souffrir. Ouais, mais un piège. Je m'en fiche. Ah, vite. Faut que j'aille me cacher. R. Oui, je suis caché sous le lit, dans la pièce. Non, j'étais caché. Et on m'a pas vu. C'est de la triche. Je proteste. Et du coup, elle est où la gueulée maintenant? Mais c'est pas possible. Vraiment, mais ils veulent pas que je gagne cette fois-ci. Mais je gagnerai. Je jouerai 36 000 heures s'il le faut. Mais je gagnerai. Bon, faut déverrouiller ceci à chaque fois. Parce que si jamais j'endors Gurani, vous allez voir. Je vais aller faire le Teddy. Ah bah non, je peux pas. Oh! Quoi?
T'es pas sonné. Elle est où? Et elle est là! Comme par hasard! Parce qu'on a que ça affiche! Bon! Bah, c'est pas grave, je vais aller voir dans la cuisine. Là, y'a quoi? Y'a rien. Là, y'a quoi? Y'a rien. Là, j'avais trouvé. Là, où est Ponky? Je vais quand même voir là. Eh ben, y'a rien! Là, voilà! Oh! C'est nul! Bon, je peux même pas faire tomber un objet pour l'attirer. Oh! Je vais aller voir dans la voiture, hein, ça vaudra mieux. On va se calmer un peu. Là, on est à l'air libre. On prend l'air. Je prends des cailloux surtout. Il me faut plein de cailloux. Bah, en tout cas, 3. Parce qu'il faut que j'aille casser en bas pour récupérer le crowbar. Voilà. Oh! Laisse-moi, toi. Bon, là, ça fait même pas de bruit. C'est une blague. Je peux monter ou pas? Je vais essayer. Ok. 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 Hola! Gurani, en avant la grand-maman. Youhou! Viens me voir, ma petite. Viens me voir. Tiens. Une minute. Oh, la blague. Bon, allez, je vais vite faire la fenêtre en bas. Comme ça, j'aurai... le crowbar. La crowbar, le pied de biche. Et puis, je vais remonter, par contre, le lance-pierre, parce que quand même, voilà. Voilà. Allez, je remonte le lance-pierre. Ok. Je vais le mettre là. Je vais aller prendre la crowbar. Je vais l'ouvrir, cette première boîte. Allez, hop. Ici. Voilà. C'est bien, Nadi. Alors là, il y a le volant. L'acrobat. On y veut. Voilà. Je vais ouvrir aussi là-bas. Voilà. Vite. Voilà. Oh, la noix de coco me fait de nouveau. Alors, attendez. Je vais laisser l'acrobat là. Et je vais prendre la noix de coco. Peut-être qu'il y a quelque chose dedans qui va m'intéresser. On y va. Il y a quelque chose dans cette coconie. Est-ce que vous croyez que j'ai le temps d'y aller? Est-ce que Gurani s'est réveillé? Elle va faire le tour. Ok, bah viens faire le tour, petite. Ah! M'a fait peur. Attendez, faut être sûr de l'avoir arrivé ici. Ah ah ah! C'est pas possible, elle a triché, elle a traversé le mur. C'est pas possible, elle a été beaucoup trop vite. Ce n'est pas possible. Je vous le dis. Cette peur-ratie de Gurani, c'est vraiment la pire. Je galère comme jamais. Bon, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver, je vous le dis. Il me reste un caillou. Il est pour toi, Gurani. Gurani, viens ici. Voilà. 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 Tu viens. Voilà. Non, mais oh. Viens ici. Tout de suite. Non, pas toi. Je parlais de Gurani. Et pourquoi quand je fais tomber ça, ça fait pas de bruit? Oui. Mais c'est une blague. Mais ça fait pas de bruit. Oui. Oh. Attendez. Là. Mais il fait pas de bruit le... L'arbalète là. C'est une blague. Là. Ah. Ah bah là ça fait du bruit. Oui. Là tu vas venir. Qui est ici? Tout de suite, Gurani. Allez, va-t'en! Va-t'en! Mais elle m'empêche de passer! C'est vraiment une tricheuse! Voilà! Je vais laisser ça là. Il me faut des cailloux. Je vais en prendre au moins un. Voilà. Ici. Je vais aller Non! Je vais aller récupérer la noix de coquebeau. Dépêche-toi!
Voilà, voilà, pousse-toi. Mais pousse... Je n'ai pas... Ah, 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 vous pouvez me... Ah, C-I-R-E-I qui me parle. Tu te tais. Il me parle tout seul. J'ai même pas dit son nom. Il est fou, celui-ci. Non, mais je rêve. Oh, la crise cardiaque. Non, mais à chaque fois, c'est pareil. Il croit que je lui parle. Je te parle pas. Allez, hop. Il faut que j'aille ouvrir la noix de coco. C'est le cauchemar, cette vie de bébou. Hop. Allez. Voilà. Il y a trop d'objets en bas. Moi, je peux pas. Bon, je vais récupérer le lance-caillou. Parce que là, à mon avis, elle va se réveiller. Allez, hop. Voilà. J'ai récupéré le lance-caillou. Maintenant, je l'attends. Parce que une minute, ça passe vraiment vite. Il me faudrait le shotgun, mais je l'ai pas. Parce qu'il n'y a pas de grand-papa. Donc, comment voulez-vous que je fasse le shotgun? Elle est là. Youhou. Voilà. Bon. Merci. Allez, hop. Je vais faire ça. Puis comme ça, je serai dehors, je pourrai récupérer les cailloux. Voilà. Ici. Alors, il y a quoi? Oh, pas de lock key, c'est intéressant. Mais c'est pas pour là, c'est pour où? Ah, c'est pour en bas. Ok. Ah, un cailloux. Merci. Allez, je vais ouvrir en bas. Même si, bon, il me reste tellement de choses à faire. Allez. On y va. Oh, un cailloux. Je le prends parce que quand même, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Je vais ouvrir en bas et puis je vais remonter les allumettes aussi. Tiens, voilà. Bonne initiative, Nadie. Par là. J'ai toujours pas fait l'électricité, donc je peux pas faire ce laine de Rinea. Et hop. Voilà. Il me manque les deux vases, bien évidemment. Allez. Je vais aller faire les allumettes. Je vais poser les allumettes en haut. Et j'ai vu la bûche aller en haut. Donc comme ça, je pourrais récupérer ce qu'il y a en dessous du corbeau. Donc, je vais placer ça là-bas. Ici. Et je vais récupérer l'arbalète. Ok. Où ça? Là. Tiens. Allez hop. Je vais prendre la bûche. Oh, je l'ai eu. Alors là, vraiment, c'est moi la plus forte. Allez hop. Vite, 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 la bubuche. La bubu. Oh. Vite. Allez, 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 allez. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Voilà. Pas refait cette montée d'escalier. Elle est là. Je l'ai vue. Si, je l'ai vue. Elle est où? Je l'ai vue. Arrêtez de mentir. Arrêtez, je l'ai vue, je vous dis. Oh. Mais c'est pas possible. Mais puisque je vous dis que je l'ai vue. J'étais dehors et elle était en l'air. Oh, ou alors c'est... Attendez. Je vais... Ah, elle est là. Voilà. Voilà. Bon. Vous avez dit que j'avais pas arrivé. Je suis pas fofolle, vous savez. Voilà. Allez, allez, allez. Bah du coup, elle va se réveiller, la vilaine. Allez, vite. Laisse-moi juste allumer le feu. Ah non. Pas ça. Pas maintenant. Pas maintenant. Oh. Oh. Elle monte ou pas? Elle peut pas monter. Na 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 ner, na 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 ner. Bon, bah oui, mais moi je suis coincé. Je fais comment? Ah, attendez, je sais. Je vais laisser ça là. Non mais là. Non mais pas là. Là. Non. Là. Tombe. Bon, là c'est bien. Et je vais aller voir dans la pièce là-bas. Ici. Voilà. Ah non! Il me faut le T2I pour ça. Mais attendez, c'est pas là que je disais. Il y a une autre pièce où on peut accéder là-bas. Une pièce un peu secureuse. Là. Heureusement, il y a les deux roues dans la maison de Gurani. Allez hop. Ah bah non. Ah bah non, non, non. Non. Je suis caché. Elle va venir ou pas? Elle est juste à côté. C'est une blague. J'ai peur. C'est quoi? Oh, la pièce. J'ai la pièce. J'ai peur. Elle est là.
Je fais quoi, moi? Parce que si je prends la bûche, ça va faire du bruit, oui. Bon, attendez, j'ai une idée. Je m'en vais. Vite. Vite. Voilà. J'ai été super vite. Donc là, ça, ça. Et ça. Voilà. Je laisse ça là. Vous croyez qu'elle m'a entendu? C'est tombé sur le tapis. Je peux aller en haut? Non, je peux pas. Non, non. Mais oui, mais ça va s'éteindre. Oh! Vite! Oh! Est-ce que j'ai le temps encore de prendre ce qu'il m'a donné? Bon, j'évite le piège, bien évidemment. Et je monte. Allez! Oh! Ah! Elle a pas le droit de m'attraper sur l'escalier! Mais c'est pas possible, je n'y arriverai pas! On réessayera après, mais avec le grand-papa. Parce que vraiment, là, elle m'a énervé. Le dernier jour, ah bah oui, ah bah voyez! Oh! Enfin, on réessayera pas, non. Voilà, je boude. Si je marche pas ici, si je réussis pas, eh ben j'arrête. Et je ferai boui-boui, c'est tout. Non mais je rêve. Bon, déjà... Ah! Tu arrêtes! Elle est où? Tu es où? Que tu viennes maintenant. Voilà. Voilà. Tiens, tu m'as énervé. Allez hop, je vais faire la bûche. C'est une blague cette Guerani. Une vraie blague, elle est vraiment vilaine aujourd'hui. Bon. Tac, tac, voilà. J'ai même pas été voir là s'il y avait des obusiers. Eh ben non, bien évidemment. Allez, on va voir ce que nous donne le corbeau. Et après j'irai prendre des cailloux. Là je me laisse plus faire là. Oh. Bon, la pièce, tu viens là. J'arrive pas à monter les escaliers aussi. Bon, la pièce, tu vas là. Bon, c'est pas forcément la meilleure idée, mais bon. Qu'est-ce que t'as? Un électrique switch. Bah super. Tout ça pour un électrique switch. Tiens. Voilà. Voilà. Bon, caillou. Là. Je vois un caillou. Donne-moi un caillou. Voilà. Un, deux et trois. Pas refait. Deux et trois. Bien. Je vais reprendre la mallette. J'ai pas le temps de rigoler avec elle. Elle est folle. Viens ici. Voilà. Voilà. Bien. J'ai fait du bruit. T'as qu'à venir maintenant. Voilà. Coucou. C'est moi. Bonne nuit. Allez, va-t'en. Laisse-moi. Je vais faire ça. Je vous ai dit, je ne rigole plus. Elle m'a énervé. En route pour la pièce. Je vais faire le Teddy. Je vais passer par le toit, je m'en fiche. Allez hop. Voilà. Voilà, j'ai le ticket. Vite. Je vais prendre le Teddy, je passe par le toit. Je m'en fiche. Allez. Voilà. Voilà. Où prends ça. Vite. Vite. Je peux le faire. Elle s'est pas réveillée encore. Vite. Voilà. Encore. Dépêche-toi. Voilà. Voilà. Monte. 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 Voilà. 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 Et là, je passe par là. Ok. Ok. Ici. Ouais. Oh. J'ai fait Teddy. J'ai fait Teddy, elle peut rien contre moi. Bien. Donne-moi quelque chose, toi. Bien. La clé du coffre. Super. Bon, il me faudra aussi le pied de biche, ici. Oh, où ça? Je sais pas où elle est. Derrière moi? Elle est en haut. Oh, tu vas voir, toi. Tu vas voir, toi. Tiens. Allez. On va faire le coffre. Va-t'en, vilaine. C'est bon. Elle m'a énervé, celle-ci. Là, vraiment, elle m'a énervé. Bon, j'ai plus qu'un caillou, mais bon.
Au moins, j'ai un caillou. Là. Chez de qui? Allez. On va ouvrir la cabane dans le jardin. On y va. Je vais passer par ici, par la cuisine. Il faudrait que je compte les minutes pour que je sois sûr de pas dépasser la minute. Qu'est-ce que ça me donne? Là. J'ai quoi? La clé du train. Bah oui, mais j'ai pas fait l'électricité parce qu'il me manque plein de choses, hein, Caillou. Allez. Voilà. Bon. Où est-ce que j'ai pas regardé encore? Oh, je vais prendre un caillou encore. Voilà. De toute façon, j'ai plus l'Andrina qui m'embête, là. Donc, ça devrait aller. Ah ben non, mais j'ai pas de munitions de shotgun. Bah oui, évidemment, da. Allez, hop. Voilà. Je crois pas que ça fasse une minute, mais... Dans le doute, je vais attendre, hein. Moi, je prends plus de risques, je vous l'ai dit. Oh, il faut que je fasse tomber les vases. Ok. Youhou. Wow. Voilà. Allez, hop, je prends ce caillou-là. Comme ça, j'en aurai toujours trois. Tu t'en vas. Merci. Hop là. Alors... On fouille, on fouille. Là, y a rien. Là, y a rien. Ici, y a rien. Je monte. Ok. Ok. Là, on avait vu. Y a rien. Là, y a rien. Là, y a rien. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'avais placé la planche? Je crois pas avoir placé la planche. Là. Y a rien. Là. Je peux pas y aller, j'ai pas la planche. Bon. Super! Je vais faire tomber un vase. Ce sera déjà ça de fait. Et je sais pas où fouiller maintenant puisque... Bah, j'ai fouillé un peu partout et j'ai pas d'objet. Donc bon, on va au moins faire tomber un vase. Hein, ça sera déjà ça de fait. Je crois que je peux en faire tomber un ici. Voilà. Oui! Ha ha! Fais tomber un vasouné. J'attends que Gurani se réveille. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et je ferai le vase ensuite. Elle est là! Coucou! Bonne nuit! Allez! On va faire ça. Je sais pas si j'ai le temps en une minute de faire le vase, mais je vais essayer. Et puis de toute façon, je reprendrai le lance-caillou. Très rapidement. Et puis après, j'irai voir en bas parce qu'il n'y a que là où, à mon avis, j'ai encore des objets à trouver. Parce que là, j'ai fait le tour. Voilà, je vais quand même regarder, mais... Y a rien. Vite, j'ai pas le temps. Vite, j'ai pas le temps. Et je peux pas remettre l'électricité encore parce que j'ai pas le câble. Donc, dommage. Allez, hop. On va placer ceci. Au moins, j'aurai fait un vase. Par là. Et après, il faut vite que je remonte en haut. C'est celui-ci. Oh! Oh! J'ai la planche! Oh! Alléluia! Ah ouais, mais il me manque des cailloux! Oh mince! Il me manque un caillou. J'en ai qu'un pour endormir Gurani et c'est tout. Allez hop! J'y vais. Je fonce comme jamais. Ah! Non! Tu m'auras pas! Je laisse ça là! Je laisse ça là. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah! Eh! T'as qu'à me suivre, vilaine. Voilà. Elle me suit. Viens, viens me suivre. Suis-moi. Suis-moi, la vilaine. Allez, hop. Hop là. Voilà. Voilà, je ferme les portes derrière moi et je m'en vais. Vite. Vite. C'est bon. Allez, hop. Prends la planche. Voilà. Elle me suit pas. Attendez. J'ai fait du bruit. Viens! Viens, la vilaine! Viens! Je t'attends, moi! Viens si t'es une grand-maman! Alors? On a peur de Nadine? Non, on n'a pas peur. Allez! Vite! Je vais placer la planche. Voilà. R! C'est bon. C'est là qu'il faut que je fasse tomber le vase. Alors attendez, je vais d'abord mettre ça. Et puis je vais prendre des cailloux. Je vais mettre ça. Je vais prendre l'arbalelette et je vais prendre des cailloux. Je retrouve espoir, mes petits palmeriers, je retrouve espoir. Allez, est-ce que j'ai le temps d'aller prendre des cailloux et de remonter?
Peut-être. Si j'en trouve deux dans la sœur utile devant, là. J'en vois déjà un. Il m'en faut deux. Il m'en faut deux. Un. Bon, bah non. Donc, il faut d'abord que j'endorme Gurani et ensuite je ferai le vase. Il faut que j'en trouve deux encore. Caillou. Petit caillou. Venez, mes petits caillou. Où êtes-vous, mes petits caillou? J'ai besoin de vous. Petit caillou. C'est des coquinous, les caillou. Ils veulent pas venir. Ah ah, j'en vois un deuxième ici. Super. Donc, je vais le prendre. Hop. Voilà. Si j'en avais un troisième, ça m'arrangerait, hein. Oh, je crois qu'il est là. Non? Y a rien qui brille? Mais oui, oui. Il me faut un troisième pour être sûr. Là, de toute façon, j'ai perdu le temps pour que Gurani se réveille, alors voilà. Ah, ici. En fait, ça spawn aléatoirement, donc bon, c'est pas évident. Voilà. Allez hop, je retourne à la porte d'entrée. J'endors Gurani. Je fais tomber le vase. Et je remplis le vase. Hop là. Voilà. Coucou, Gurani. Hop là. Voilà. Toujours regarder derrière soi, parce qu'elle peut venir de derrière, hein. Là. Coucou. Alors. Voilà. Bonne nuit. Non mais elle est bête. À chaque fois je lui fais et elle se rend pas compte que je lui fais. Allez hop, on y va. On retourne là. Voilà. Ici. Là. Comme ceci. Là. Voilà. Bien. Maintenant, je vais sur le toit. Ok. Là. Voilà. Je vais passer par la petite ouverture ici. En me baissant, bien évidemment. Voilà. Je vais tomber ça là. Parce que je vais en avoir besoin. Je prends ça. Hop. Je le fais tomber le plus loin possible. Là. Je vais prendre l'arbalète. Vite. Voilà. Je l'ai. Et maintenant, j'attends Granny. Wouh. Ouh. Faut être stratégique, mes petits palmeuillers. Allez hop, Gurani. Parce que ça marche pas. Bah voilà. Voilà. J'ai fait du bruit, oui. Youhou. Je sais pas si elle s'est réveillée déjà. Je crois pas. Ah ah. C'est vraiment stressant quand je lâche le... Ah, coucou. Oui. Allez, on y va. On se dépêche. Hop là. Je vais par là. Je vais laisser l'arbalète ici. Je fais vite fait le vase et après je vais prendre des cailloux. Allez hop. Comme ça je vais avoir une quelée. Ou quelque chose. Je sais pas quoi. On y va. Hop. Peut-être le câble. C'est possible qu'on ait le câble. Et dans ce cas-là, si j'ai le câble, je peux m'en aller. Parce que j'ai la clé du train et j'ai le switch. J'ai pas la padlock. Ah si, j'ai la padlock key. Faudra que je récupère la padlock key et que je la remonte. Allez, parce qu'en bas, il me semble qu'il faut la padlock key pour le terrain, là. Allez. Hop. Voilà. Donne-moi. Donne-moi le câble. C'est le câble, j'en suis sûr. Voilà. C'est tout ce qui manquait. Bon, attendez. Là, on rigole pas. Il me faut quand même des cailloux, là. Attendez. J'ai pas de cailloux. Il m'en faut. J'ai pas fait tout ça pour mourir maintenant, hein. Bon, je veux gagner par le terrain. Mais j'ai pas de cailloux. Oh là 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 là. C'est toujours compliqué, la chasse aux cailloux. Elle rigole. Tu rigoleras moins, tu vas voir. Allez hop. Un cailloux. Voilà. J'ai un cailloux. J'ai deux cailloux. Voilà. Hop. Elle est où? Attendez, je vais la tirer ici.
Voilà. Tu peux venir. Granny. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Bonne nuit. Ah 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 ah. Allez hop, je vais rétablir l'électricité. Hop. Après, je vais mettre le switch en bas. Et puis, je reviendrai prendre l'arbalète quand même, hein. Bon, allez hop, ici. Voilà. Oh, un caillou, je peux rendre. Hop, allez. Je vais... Je sais pas si j'ai le temps d'aller mettre le switch en bas. Mais je vais le prendre et je vais l'approcher au plus près. Pour gagner du temps. Il est là. Hop. La clé du train, elle est là. Donc, je jette ça là. Ensuite, je jette ça là. Je vais prendre l'arbalète. Oh! Voilà. Je pourrais partir après. Mais oui! Allez, Granny, viens! Encore un petit dodo et c'est bon! Viens, Granny! Un petit dodo et on peut s'en aller. Enfin, je peux m'en aller. Voilà. Allez, viens, Granny. Viens montrer ta petite tête de psychopathe. Elle est là. Coucou. Coucou. Oh, bonne nuit. Allez, laisse-moi tranquille. Je vais mettre ça ici. Comme ça, je peux le récupérer au besoin. Allez, vite, vite, vite. On va mettre le switch. J'ai pas l'accélérateur. C'est une blague? C'est tout ce qui me manque, l'accélérateur. Oh, oh. Bah oui, ça marche pas. Attendez. Il me faut ça. Voilà. Donc là, c'est ouvert. Là, j'ai le ticket. Je vais mettre la clé du train. Mais j'ai pas l'accélérateur. Il est où, l'accélérateur menefeur? Mais je l'ai pas, moi. Oh, c'est de l'arnaque. Alors, attendez. La clé du train, je vais la mettre. Oh, ça se trouve, c'est dans le terrain. Attendez, je vais d'abord placer ceci. Voilà. On y va. Peut-être c'est dans le terrain, hein. Non. Ah, oh, oui, oui. C'est pas dans le terrain. Bah voilà, il me manque un objet. C'est une blague. Oh, dans la boîte en haut. Dans la boîte en haut. Bon, il faut absolument que j'endorme Granny une dernière fois. C'est dans la boîte de Slendrina. C'est là. C'est là. Ok. Vite. Voilà. Là, elle va venir, Granny. Heureusement, j'ai un caillou. Vous voyez, c'est important d'avoir toujours trois caillou sur soi. Granny. J'ai menti. En fait, il faut encore faire un petit dodo. Voilà. Merci. Allez, hop. Pousse-toi. S'il te plaît. Allez. Voilà. Merci. Dis donc, elle me laisse pas aller. Bon. Allez, 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 allez. Il faut que j'aille sur le toit. J'ai pas le choix. Vite. Une minute, ça passe vraiment vite. Voilà. Par ici. Par là. Je m'accroupis. Ici. Je me lève. Je prends ça. J'ai l'accélérateur. Je m'accroupis. Je m'en vais. Et je fonce vers la liberté. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Vite, vite, au sous-sol. Vite. Là, ça craint. Ça fait une minute, je pense. Si elle spawn en bas, je suis fichu. Attention. C'est bon. On y va. On se dépêche. Mes petits palmiers. Mes petits palmiers. Mes petits palmiers. J'ai réussi! Ah! Quoi? Ferme la porte! Vite! Mais j'ai fermé! Oh! Toutes les portes! C'est une blague! Vite! Ouah! Oh, on a réussi! En mode difficile de s'en aller par le train sans mourir! Enfin, 4 fois, mais il me restait une vie. Bye! Ouais! Ah ah! Elle va rester sur le quai, regarde, oh oui, oui. Oh, elle pleure, oh, elle est triste. Oh, ah bah oui, bah c'est comme ça, vilaine.
avec plein de bosses sur la tête parce que c'est pris plein de cailloux. Et Solène de Rinoa qui est là. Ziyang. Oh mais dis donc, je suis tellement forte. La dernière fois, on avait réussi le mode Gurani 1 en mode difficile. Et maintenant, le mode difficile, bon, avec que Gurani 5, mais quand même avec le terrain et tout. Alors dites-moi dans les commentaires, bah, quelles autres configurations vous voulez que je fasse avec Gurani 1, 2 ou 3, 2. Wow. N'oubliez pas de laisser plein de jolis pouces bleus, abonnez-vous et partagez cette vidéo de vous à moins d'un de vos amis pour faire grandir la team Palmeyeux. Merci. Bisous, 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 bisous